actriz de la voz. Orient Express HDC. Formidable sur ce trip là, hein. Formidable. Ça va passer, quand elle est. Le premier sans faute du jeu. Oui, c'est bon, le chronomètre est parfait. Cheval très disponible. Hein. Orient Express, c'est la force tranquille. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'aventure HDC. C'est vraiment lui qui est à l'origine de tout. Alors oui, il porte nos plus belles larmes de joie, de bonheur, de tristesse. Enfin, il porte toute l'âme de l'écurie HDC, c'est Orient. Je pense que c'est un cheval qui ne laisse pas indifférent. C'est un champion déjà, c'est un cheval extrêmement respectueux. Il est tranquille à la maison et c'est un lion en piste. Fin Orient Express. Elle est belle celle-là. Très belle foulée, ça tient. Chaque fois qu'on m'appelait pour me dire ton cheval va bien, c'était super. C'est un cheval qui ne ménage pas son effort sur les obstacles. Je signe pour faire le même. Enfin, dès qu'il passait en piste, tout le monde se déplaçait pour le voir. C'est un cheval que je n'oublierai jamais. Je pense qu'il m'aura fait vivre un de mes plus beaux moments en tant que groom. Les championnats du monde. C'est Nadal en tennis, c'est Djokovic, c'est Ayrton Senna. C'est un cheval presque imbattable. Un cheval qui est fait pour sauter, une machine de guerre. Je pense que le terme de machine de guerre lui va bien. Très guerrier. Un guerrier. C'est un cheval qui est tellement guerrier, qui se donne énormément, qui ne s'économise pas. Et puis au fond, lui, très attachant. Attendu, bravo. C'est un cheval, comme on dit dans notre jargon, qui est allergique au bois, qui ne veut absolument pas toucher les obstacles. Dès qu'il rentre en piste, il a une seule volonté, c'est d'être sans faute, et je pense que c'est la priorité. En plus, avec un cœur énorme, qui se donne toujours à 100%, même des fois peut-être un peu trop sur la piste. C'est un cheval 200%, 200% tout le temps. C'est une très très belle histoire que celle d'Orient avec l'équipe de France. Il est vraiment étonnant ce cheval. Ça a toujours été un crack de toute façon. Orient, vas-y. Ah là, ils sautent très bien. On reste très humble, on sait ce qu'est l'élevage et on sait toujours tout ce que ça peut représenter. Néanmoins, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelques poulains d'Orient qui sont aussi hors normes. Il nous a bien assez donné et qu'il mérite une bonne retraite. Maintenant, voilà, je pense qu'il a tellement gagné de belles épreuves qu'il faut le respecter. C'est vraiment la définition même de notre aventure HDC. Sans lui, on n'aurait pas vécu tout ce qu'on a vécu. Et c'est vraiment notre poney d'amour. Ouais.